Neymar blessé au pied lorsqu'il signe au PSG. Des doutes avaient été émis au mois de mars. Désormais, l'information est confirmée. Le Brésilien souffrait bien d'une fracture de fatigue au cinquième métatarsien du pied droit avant son transfert. Forcément, ça fait tâche pour le PSG, surtout quand on connaît la suite. Une fracture à ce même cinquième métatarsien du pied droit en février 2018 face à Marseille et une rechute au même endroit un peu moins d'un an plus tard face à Strasbourg en Coupe de France. Alors, recruter Neymar n'était pas selon moi une erreur, mais la gestion du Brésilien par le club en était une. Sans doute fallait-il prendre plus de précautions à ce moment-là, envisager peut-être une opération, du moins une immobilisation de plusieurs mois. Mais Neymar était alors le meilleur joueur du monde selon Nasser Al-Khelaifi. Neymar était le joueur le plus cher du monde. Neymar était le plus gros coup de l'ère qatari. Et donc, il fallait le faire absolument jouer au détriment de sa santé. Voilà pour Neymar. Alors, je vous pose la question. Est-ce que le recruter était une erreur majeure de la part du PSG alors qu'il était blessé au pied? Ou est-ce qu'ils l'ont mal... Allez, utilisé au début. Non, mais quand même un peu pour Alicia. Non, la gestion en revanche est plus problématique pour Jérôme. Non, c'était pas une erreur majeure non plus pour Charlotte. Absolument pas, même pour Karine Galli. C'est débile. C'est débile. De la, mais là, je veux dire, cette interprétation de cette information-là. Bien sûr. Ah oui. Et non, pour Romain. Charlotte, je vous bien sûr, j'espérais. Romain, on commence à Charlotte, on commence avec vous. Non, mais c'est vrai que le coup de la blessure, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Être capable de dire, tu joues pas pendant 5 mois? Et ça montre que c'était impossible pour un joueur comme Neymar. Il a coûté tellement d'argent au Paris Saint-Germain. Mais moi, en fait, j'ai une image, je me souviens, parce que je jouais à Guingamp à l'époque, son premier match au Roudourou. Et il roulait sur tout le monde, il volait, il était affûté, mais c'était incroyable. Et même les Guingampais, ils n'en revenaient pas, ils n'arrivaient pas du tout à l'arrêter. Donc il a fait des mois super intéressants. Donc c'est pour ça que je suis étonnée hein, de ce que tu nous dis, Alicia, qu'il avait une fracture de fatigue. Parce qu'à partir c'est de ce moment-là... C'est pas moi qui le dit, mais c'est l'information qui a été... Et on n'avait pas forcément cette information-là, mais comment il a pu faire pour jouer? Donc c'est pour ça que... est-ce qu'il a joué avec des infiltrations? Donc c'est la gestion... C'est le passé, mais pour moi, il a fait de très belles années au début et ça a mis en lumière le Paris Saint-Germain. Donc pour moi, ce n'est absolument pas une erreur. C'est juste, oui, effectivement, s'il était blessé, bah, le soigner tout simplement. En tout cas, Neymar, on en a évidemment énormément parlé pendant ces 6 saisons au Paris Saint-Germain. Le plus grave, entre guillemets, ça a été les blessures et ce nombre de matchs manqués, 111 en 6 saisons au PSG. Seulement pour les blessures, il y a aussi eu les suspensions. On considère en général qu'il a raté un match sur deux. Et puis, il y a surtout ces gros matchs manqués, vraiment les rendez-vous importants en Ligue des Champions. Il y en a eu plusieurs. On a noté ceux-là, il y en a eu d'autres en 2018, le 8e de finale, retour contre le Real Madrid, l'aller et le retour contre Manchester en 2019, l'aller et le retour contre Barcelone en 2021, et puis le retour face au Bayern l'année dernière en Ligue des Champions. Alors après, il faut quand même aussi différencier ce qui peut être la résultante de sa blessure au pied, et puis des coups qu'il a pris, il y a des blessures où il a pris, il a été salement amoché par des défenseurs ou des joueurs adverses. Mais évidemment, Raymond Domenech, on a été provocateur dans la question par rapport à ce qu'on a vu. On ne pense pas une seconde que Neymar était un mauvais joueur ou quoi que ce soit. Non, l'idée, c'était sur cette gestion, cette façon de voir, peut-être pas oser dire à quelqu'un qu'il ne fallait pas démarrer dans ces cas-là, quand on voit que derrière, il y a eu des vraies fragilités. Vous voyez, en tant que dirigeant du PSG, est-ce qu'ils n'auraient pas dû être plus dirigeants, justement? Il faut arrêter avec ça. Je suis d'accord, j'étais aussi au premier match contre Guingamp. Il a été exceptionnel. Les 6 premiers mois, il se blesse en février. Il a une fracture. Vous allez me faire croire que quelqu'un qui a une fracture a réussi à faire tous les matchs comme ça pendant 6 mois, 7 mois, et tout d'un coup on se rend compte qu'il était blessé à ce moment-là et que sa fracture se réveille 7 mois après. En tout cas, l'info qui est sortie, c'est qu'il y avait une blessure. C'est une aberration. Je dis, il a eu une fracture, 5e méta, ça arrive, ça peut rechuter, c'est un endroit fragile. Les coups qu'il a pris, il les a cherchés, hein, c'est son jeu. En tout cas, il est provocateur sur le terrain. Il provoque, on l'a entendu encore tout à l'heure, il voulait le faire match de l'Argentine pour faire des petits ponts, des sombreros. Voilà, bon, je crois que ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut arrêter avec ça. La page de Neymar, elle est tournée, ça n'a pas été une page
glorieuse, ça n'a pas été ce qu'on attendait. Maintenant, le PSG passe à autre chose. Pourquoi on va faire une polémique Parce qu'on a appris justement. Mais c'est pas vraiment une polémique, c'est juste histoire de. Qu'on attaque le médecin. On avait l'info. On attaque le système. Raymond, on tombe sur une info. On nous annonce qu'ils l'ont acheté 222 millions d'euros, le transfert le plus cher de l'histoire du foot. Oui. Et on nous annonce qu'il est blessé à l'achat. Non, je suis désolé, il faut qu'on y aille. C'est pas une voiture. On nous annonce. Blessé à l'achat, c'est vrai que vous avez raison, ça fait un peu code. Il est blessé au moment de son transfert. On l'a acheté cher. On nous annonce. Il est obligé d'y aller. Qu'il a soi-disant eu une blessure quand il est arrivé alors qu'il a fait 6 mois de compétition. En revanche, l'état dans lequel il arrive, et tu as raison, et on a tous joué, moi le premier, toi aussi on a parlé tout à l'heure, avec des fractures fatigue. Sauf que moi, la gestion, quand je parle de gestion, c'est pas quand il arrive. Parce que fracture de fatigue, on a tous joué, ou en tout cas tous essayé. Lui en plus, il volait. C'est après la première, moi, que ça me pose problème. Parce que s'il arrive diagnostiqué fracture de fatigue, ça tient 5-6 mois. C'est ce qui s'est passé. Et dès que ça repète, là, tu dois dire, OK, stop. Sauf que vous oubliez de dire que lui, le 2018, c'est lui qui veut pas se faire opérer pour aller faire la Coupe du Monde. Et oui, donc, il n'y a pas que le PSG dans l'histoire. Il y a lui aussi. C'est facile de toujours taper sur le PSG. Mais je comprends le débat. Mais sauf que, attention, il y a la. Le diagnostic au départ. On n'allait pas dire que c'est pas bien. La première blessure, la troisième, et juste avant la Coupe du Monde, où le PSG dit, là, maintenant, Coco, terminé, faut opérer. Lui dit non, je vais aller voir mon doc au Brésil et je ne vais pas me faire opérer, je vais faire la Coupe du Monde. Et de là, tout s'enchaîne parce que même les blessures musculaires après tout, on sait très bien que c'est des compensations, que c'est des... à part les trois tacles qu'il prend où effectivement il ramasse, c'est une boucherie, mais après tous les claquages et le reste, tout démarre de la gestion du PSG, de la première blessure et de sa gestion à lui avant la Coupe du Monde. Et ça, on oublie trop souvent de le dire. Vous avez raison de le dire. Bah oui. Ne me montrez plus jamais du doigt. Hein. Vous avez du pot d'être extrêmement costaud et d'avoir des mimines deux fois plus grandes que ma tête. C'est pas vous. Karine Galli, on finit avec vous. Vous me dites absolument pas. Ça a été une chance même, on peut aller jusque-là, d'avoir Neymar. Bien sûr. Et j'ai été également au match à Guingamp. Et j'avais même croisé Raymond avant match. C'est pas vrai. On y était tous à ce match. C'est incroyable. C'était le match de l'année. Oui, c'est vrai. On y était tous sous un grand soleil. Il faisait beau. En Bretagne, il faisait beau. Non, mais absolument pas. Parce qu'en fait, là, on fait une réécriture de l'histoire. C'était un coup exceptionnel. Beckham, c'était que du marketing. Messi, c'était une idée foireuse. Neymar, c'était un joueur exceptionnel que tu avais la chance de pouvoir attraper parce qu'il voulait devenir la star absolue, n'est plus être un joueur du Barça et dans l'ombre de Lionel Messi. Et c'était évidemment le joueur à prendre. Et lorsque le PSG le prend, c'est effectivement l'un des tout meilleurs du monde, qui est exceptionnel, qui n'avait vécu qu'une vraie blessure, c'était lors de la Coupe du Monde 2014 au Brésil, mais qui n'était pas habitué à ces blessures, qui ont marqué finalement son passage au PSG. Et c'est un joueur magnifique. Et ses premiers mois ont été absolument exceptionnels. Et si c'est à refaire, il faudrait évidemment le repayer ce prix-là. Finalement, tu vois que c'est pas cher. Quand tu vois le nombre de peintres qui sont achetés des fortunes maintenant. Et c'était absolument incroyable d'avoir un tel joueur dans le championnat.